Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Au cours de cette Eucharistie, nous aurons aussi le témoignage de trois groupes de prière et une association qui existe sur notre paroisse. Nous sommes dans le mois missionnaire. C'est le mois où nous sommes invités à témoigner, à nous laisser habiter par la mission de l'Église. Au début de cette Eucharistie, rendons grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits et humblement demandons pardon pour tous nos manquements à la charité. De nos oublis et de nos refus, Seigneur, prends pitié. De la dureté de nos jugements envers autrui, ô Christ, prends pitié. De nos lenteurs à répondre à ton appel, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous montre sa bonté, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous nous en demandons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles, amen. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel.
et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors, le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, « Cette fois-ci, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. » On l'appellera femme, Isha, elle qui fut tirée de l'homme, Ish. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Parole du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, et tu verras les fils de tes fils, puis la pluie paix sur Israël. Que le Seigneur bénisse tous les jours de notre vie. Frère, Jésus qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le croyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il mène à sa perfection, par des souffrances, celui qui est à l'origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés
doivent tous avoir même origine. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler frères. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent, « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua, « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. » À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara, « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Acclamons la parole de Dieu. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. La liturgie de ce jour nous invite à redécouvrir la beauté de l'amour conjugal et la grandeur du sacrement du mariage, qui est vraiment un projet de Dieu. C'est pourquoi, dans la préparation au baptême, la préparation à tous ceux qui veulent s'engager, nous disons dans les liens sacrés du mariage, les liens sacrés du mariage, parce qu'il s'agit de l'amour qui est donné et reçu, et Dieu est le principe de tout amour. C'est grand, c'est beau, mais aussi, l'amour est agressé. Voyons combien de fois des couples sont en difficulté, combien de fois des conjoints sont blessés dans leur amour, frustrés. Oui, l'amour est agressé, c'est pourquoi, en cette journée, il faut prier pour les couples, pour les familles. Les couples chrétiens, les familles chrétiennes, qu'ils résistent aux intempéries, qu'ils résistent aux persécutions. C'est pas facile.
travaille toujours à être des témoins de l'amour de Dieu, de l'amour du prochain, dans les liens sacrés du mariage. Et aussi prions pour ceux qui ont été blessés d'une manière ou d'une autre et qui souffrent encore des séquelles de leur union. Que le Seigneur les guérisse et qu'ils continuent à leur humble niveau de parler, d'encourager les plus jeunes. Il ne faut pas que les jeunes aient peur de rentrer dans la grâce du mariage. Il ne faut pas qu'ils aient peur. La société aujourd'hui nous enseigne d'autres valeurs, mais l'Église nous enseigne la véritable, la vraie valeur de l'amour conjugal. C'est beau, c'est grand, c'est merveilleux. Ceux qui ont la grâce et le goût de s'y engager, pour vous engager, et l'Église prie pour toutes les familles, pour tous les couples. Nous sommes dans le mois missionnaire. C'est un mois où nous sommes invités à réveiller en nous l'esprit missionnaire. Et le thème de ce mois missionnaire, c'est « Aller et inviter tout le monde au banquet, aux noces, au banquet. » Il y a le symbole du salut. Alors, l'Église nous envoie, comme le Christ a envoyé les apôtres, proclamer la bonne nouvelle qui sauve, la bonne nouvelle qui fait du bien, la bonne nouvelle qui réconforte. Et sur notre paroisse, il y a beaucoup de groupes qui existent et qui mènent des activités, qui nourrissent notre vie spirituelle et des groupes qui s'engagent aussi dans la société. Alors nous avons décidé, l'équipe pastorale a souhaité que tout au long de ce mois missionnaire, les groupes-là se fassent connaître et témoignent de leur foi, de qu'est-ce qu'ils vivent dans leur groupe de prière. Et je suis certain que ça pourrait vous intéresser et vous stimuler à vous engager. C'est pourquoi j'invite d'abord la pastorale sociale, ensuite le cursuio et après les maisons d'adoration. Bonjour. Je m'appelle Gaston Bordage. J'ai le privilège d'être un des 8 membres du nouveau comité formé de la pastorale sociale. C'est un comité qui n'a pas comme but d'intervenir à l'intérieur des activités des autres comités qui existent ici à Rimouski. On peut penser à accueil et intégration au Bas-Saint-Laurent, on peut penser à Moisson-Rimouski. Donc, la pastorale sociale, on vient complémentaire à ce qui existe déjà. Et dans le cadre de la semaine la pastorale sociale, j'invite Gatien à s'adresser à vous. Bonjour, je m'appelle Gatien. J'interviens avec la pastorale sociale. Dans notre monde de déséquilibre, d'instabilité sociale, dans notre monde de déséquilibre social, de violence, où notre paix est menacée, la pastorale sociale a été mise en place par notre clergé afin d'aider ces personnes qui sont en difficulté, ces personnes qui sont violentées, ces personnes qui sont sans voix. À Rimouski, ici, nous avons plein de personnes qui sont dans le besoin. Donc, notre pastorat social est mis en place afin d'intervenir d'une manière ou d'une autre, par nos actes, par nos faits, par nos actions vis-à-vis de ces personnes, à retrouver la joie, le sourire, pour penser leur peine, qu'elles n'arrivent pas à extérioriser. La pastorat sociale a été mise en place et elle veut, à travers ses activités, ici et ailleurs dans Rimouski, à aider ces personnes par nos activités et
Dans le même sens, ces activités que nous avons mises en place sont publiées dans le journal de la pastorat. Nous avons une multitude d'activités qui sont mises en place pour ce mois des missionnaires. Il y a de la journée d'écoute, un souper fraternel. Nous invitons ici toutes ces personnes disponibles à visiter le foyer pastoral et à s'intégrer de toutes ces activités que nous avons mises en place, à y participer activement afin que ce mois des missionnaires soit un mois réussi, un mois qui permet à ce que nous puissions écouter et partager les peines des uns et des autres. Je vais laisser Gaston pour la suite. Je vais conclure rapidement. Pour celles et ceux qui n'ont pas eu le temps de consulter le foyer paroissial, on peut vous rappeler qu'il y a déjà une première activité qui s'est tenue cette semaine, jeudi, dont le thème était « Prier et célébrer pour nourrir notre mission ». Il y a eu le chapelet qui s'est récité ici. Dans la semaine à venir, vous avez demain, lundi le 7 octobre, à 16h30, dans la salle Raoul Leroy, Sœur Gabrielle Gabrielle Côté va nous entretenir sur la mission des Sœurs du Saint-Rosaire. Et elle va nous parler aussi de sa fondatrice. Donc, demain à 16h30, Saint-Pédis. Et le 9 octobre, deux jours plus tard, mercredi, il y a une journée d'écoute à laquelle participeront des membres du comité. Le Père Jean-Baptiste et l'abbé Rodelin sont aussi présents. Une journée d'écoute qui se déroulera entre 10h et midi, 13h30 et 18h. Pour autre activité, cette semaine, il y a le 10 au Grand Séminaire à 9h15, une conférence sur l'immigration donnée par M. Belrose, monsieur qui vient de Montréal, et Sœur Victoria, qui est responsable du comité de pastoral. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Je vous remercie. Bonjour, René Roy. Je suis membre du Curcio. C'est moi qui est un des responsables du groupe La Vigne, ici à Rimouski. Curcio, qui sommes-nous? Nous sommes un mouvement reconnu par l'Église catholique romaine. Son nom provient du mot espagnol curcio, qui signifie petit cours. Cependant, il ne s'agit pas d'un cours théorique ni d'une retraite. C'est avant tout une expérience de vie. Le mouvement des curcio commence par une fin de semaine, soit de 2 jours et demi. Justement, ça tombe bien, nous en avons une le 25-26 octobre qui s'en vient. Au cours de cette fin de semaine, dans un climat de joie et de fraternité, chacune des personnes fait la rencontre de soi-même, de Dieu, des autres. C'est un mouvement qui s'appuie sur la prière, l'étude, l'action. Aujourd'hui, comme à l'époque des apôtres, nous nous regroupons chaque 2 semaines pour échanger sur la parole de Dieu et partager des expériences vécues avec d'autres chrétiennes, chrétiens. Cela contribue à éclairer notre vie et à faire grandir le Christ en nous afin de mieux témoigner de lui. Le curcio est une expérience spirituelle qui fait découvrir Jésus-Christ et invite à bâtir un monde plus humain et plus fraternel. Le curcio, une expérience inoubliable, c'est garanti. Ici, nous avons notre ami Régent, qui fait partie du curcio. Aussi, j'ai Monique, qui va se lever, s'il vous plaît. Ils seront tous les deux ici à l'avant pour vous remettre les petits feuillets. Merci. Bonjour. Je m'appelle Hélène Dumont. Je fais partie du groupe d'adoration de Saint-Robert. Aujourd'hui, je viens vous partager quelques-uns des bienfaits que m'apportent ces moments d'adoration où je vais
adorer notre divin Sauveur devant le très saint sacrement. Mon attrait pour l'adoration a débuté il y a de cela plusieurs années, quand je me rendais au monastère de nos adoratrices, les petites sœurs servantes de Jésus-Marie à Nazareth, et il a toujours grandi depuis. En voici quelques fruits. Je sens toujours grandir en moi un amour profond pour notre Sainte Église, pour la très sainte Eucharistie et pour le saint sacrifice de la messe. Et grandissent aussi en moi, et ce de façon de plus en plus consciente, les trois vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. Tout en se portant sur mes besoins personnels, sur ceux de ma famille et sur ceux de tous mes proches, mon regard se porte de plus en plus maintenant sur les souffrances et les besoins grandissants de notre monde d'aujourd'hui. Sur la montée constante de la violence, des conflits armés, de la détresse et de la désespérance qui s'installent insidieusement et qui menacent l'équilibre précaire de notre planète et de toute l'humanité. C'est un appel criant à la prière, à la conversion, à l'intercession et à l'amour universel. Il se développe aussi en moi une intimité quasi quotidienne avec mon Saint-Ange gardien. Et croyez-moi, je ne le garde pas au chômage. Mais je sais aussi le remercier de sa présence et de sa protection constante, et aussi de la fidélité à sa mission auprès de moi, qui lui a été confiée par notre Père Céleste, et ce, en toute gratuité. Dans les souffrances et les difficultés de ma vie quotidienne, car il y en a toujours, si je frappe le mur de mes incapacités et de celles des ressources qui m'entourent, alors, très rapidement, dans la foi, je tourne mon regard vers mon Seigneur, qui est le Dieu de l'impossible. Je lui abandonne tout, et dans la prière et l'adoration, je crois de plus en plus fermement que même si je n'en vois pas toujours les fruits, il agit toujours pour le bien et le mieux de chacun. Je veux terminer en rendant grâce à notre Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, à la très sainte Vierge Marie, notre Mère, de faire grandir en nous les vertus de foi, d'espérance et de charité, et de changer nos cœurs en cœurs de compassion, de miséricorde, d'intercession, de prière et d'adoration. Pour sa plus grande gloire et notre salut à toutes et tous qui sommes ses enfants. Amen. Professons notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Le Seigneur nous rappelle aujourd'hui la dignité du couple humain et la grandeur de l'amour. Prions pour l'humanité entière et disons avec confiance, ô Dieu d'amour, écoute-nous.
pour les responsables civils et religieux, que le souci de la justice et de la paix oriente leurs actions et leurs décisions. Ô Dieu d'amour, écoute-nous. Pour les personnes unies par des liens conjugaux, que leur amour se développe dans la joie et la tendresse. Ô Dieu d'amour, écoute-nous. Pour les couples qui se préparent au mariage, qu'ils tiennent ferme leur engagement et gardent confiance en l'avenir. Ô Dieu d'amour, écoute-nous. Pour les gens qui ont connu l'échec et dont l'amour est blessé, qu'ils trouvent auprès de leurs entourages de la compassion et du respect. Ô Dieu d'amour, écoute-nous. Pour notre Église locale, qu'elle soit dans son milieu un témoin fidèle de la tendresse de Dieu pour l'humanité. Ô Dieu d'amour, Dieu notre Père, toi qui es bon pour l'humanité et nous invite à l'amour, entends notre prière et guide nos pas vers ta lumière et ton soleil. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Les prêtres. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté ce vin que nous te présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. C'est pour nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que nos sacrifices en ce jour tournent vers ce domaine. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué. Dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient, sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Yeah.
avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel, tout-puissant, toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Est vraiment saint. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous avons Seigneur Jésus.
en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous estimes dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Denis et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de la bébé noire Hens. Souviens-toi de Monique Hens Pigeon, dont nous célébrons le premier anniversaire. Marcel Poirier, également le premier anniversaire. Elmina Morin, parent et amie de fin de Noëlla Boucher. Rose Alida Landry, Arsena Côté, Roland Lévesque, Jean-Claude Rio, Thérèse Thibault, Monique Lepage, et toutes les victimes des calamités naturelles, des guerres, partout à travers le monde. Accueille-les, Seigneur, dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Ta bonté surtout sur les couples en difficulté, sur les malades, ceux qui sont en fin de vie. Et nous te prions pour la paix dans le monde. Permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, reprenons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, échangeons entre nous un signe de la paix du Christ. Thank you.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, par la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu par le Christ notre Seigneur. Amen. Quelques informations supplémentaires. À compter du mardi 15 octobre, et ce, tous les mardis, il y aura possibilité de se confesser, confession individuelle, de 14h à 15h30 et de 17h à 18h. Donc, tous les mardis à compter du 15 octobre, confession individuelle, 14h, 15h30, 17h, 18h. À Saint-Pédis. Donc, il n'y a plus nécessaire d'appeler et de prendre rendez-vous. OK? À moins qu'il y ait une urgence. S'il y a une urgence au cours de la semaine, en ce moment-là, vous pouvez appeler au secrétariat. Sinon, mardi, tous les mardis, des prêtres seront disponibles. On a parlé de mariage tantôt. La paroisse offre un espace d'échange et d'écoute mutuelle pour les couples. Tous les vendredis sur cette semaine, de 19h à 20h30, Saint-Pédis, au local 1, au sous-sol de l'église de Saint-Pédis. Il y a une belle salle qui est aménagée pour cette activité-là. Donc, tous ceux qui sont intéressés peuvent rejoindre le groupe. Il suffit juste de s'inscrire. Il n'y a pas de frais à payer. Il faut juste s'inscrire au secrétariat et puis vous participer. Ça a déjà commencé le vendredi dernier. Je voudrais rappeler aussi que le pape François invite tous les chrétiens demain à un jeûne et une prière, à la prière pour la paix dans le monde. Demain, c'est le 7 octobre. Il rappelle ce qui s'est passé en Israël, où des jeunes et des personnes ont été massacrées. Alors, ce qui a engendré cette spirale de violence dans la sous-région. Donc, prière et jeûne pour la paix dans le monde. N'oubliez pas, demain, il y a la messe à 16h à Saint-Pédis en l'honneur de la fête de Marie, Notre-Dame, Rosaire. Après quoi, une sœur du Saint-Rosaire viendra pour donner un enseignement. Je laisse la parole à Daniel. Dimanche prochain, fête de l'Action de grâce, l'équipe de la célébration vous invite à apporter fruits, légumes, pain ou fleurs. Merci. Merci à la chorale. Merci. 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 Merci à toute l'équipe de liturgie qui a préparé cette célébration. Merci à tous les groupes et mouvements. Merci à nos diacres qui ont célébré 40 ans, non? C'est ça, hein? 14e anniversaire du service diaconal. Merci à Réjean, merci à Michel. Demain, c'est l'anniversaire d'ordination de Réjean. Viens-t'en. Demain, c'est son anniversaire d'ordination diaconale. 24 ans. 24 ans au service de l'Église. Merci. Que le Seigneur renouvelle le don du service en toi. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allons dans la paix et la joie du Christ. Glorifiez le Seigneur par votre vie. Rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine.